Non, c'est derrière moi. J'ai passé l'âge de jouer à cache-cache, de rester enfermé dans ma maison, de me détourner des morts, de me taire. Je m'approche de ce qui est caché, ce qu'on n'a pas le droit de voir. Je dis, je veux voir, mais ce que je dis ne m'empêche pas bien des fois d'esquiver certains spectacles, de me dérober à l'injonction intérieure. Regarde. Je me dérobe, je me défends, mais je me dérobe. Regarde ce que j'ai à te montrer. J'esquive, je me tiens en retrait, à la lisière. Je feuillette un livre où des corps couverts et autopsiés sont photographiés. Ils sont grumeleux, visqueux, mélangés, empâtés, souffrants, mais pas complètement méconnaissables. Ici, la tête avec quelques cheveux pend comme un balancier désaxé au bout d'une colonne vertébrale décharnée. Là, des témoins observent une longue silhouette rôtie allongée sur un drap. On n'arrive pas à déchiffrer l'expression qui se peint sur leur visage. C'est quand on aperçoit au milieu de cet amas indistinct une main qui s'accroche au linge dans une dernière étreinte que l'histoire probable d'une personne défunte, celle dont l'un des morceaux redevient humain, se met à clignoter, entêtante, impossible à chasser. Le passage en revue de toutes ces photographies, scènes de crime, exhumation, opération post-mortem, présentation des altérations successives auxquelles les dépouilles sont exposées, s'achève par un cahier de feuilles blanches assorti de cette indication qui sonne comme une proposition, album à compléter. Je me demande s'il ne serait pas judicieux de répertorier sur ces pages en papier glacé les corps qui traînent plus morts que vifs dans les zones vacantes entre moi et le dehors. Il faut que je les regarde encore, que je les scrute, que je les accepte et les intègre à la connaissance partielle que j'ai de moi et de l'espèce humaine. Je choisis le moment où regarder devient envisageable, où je peux supporter la répugnance et l'horreur produites par la vision de ces corps en décomposition, en mauvaise posture, recousus à la hâte, examinés par des hommes en blouse blanche, cigarette au bec, sans doute une manière pour eux de couvrir les odeurs. En première page, le bras levé d'un corps humain dont on ne comprend pas tout de suite la position, face et torse à moitié couverts par des vêtements, m'appelle. Cette rigor mortis donne aux morts des postures bien particulières, dit le texte. Pourquoi sont-ils partis sans moi? Quand vont-ils revenir? Que se passe-t-il? Je voudrais me laisser envahir par la colère légitime de qui a injustement été délaissé. Je voudrais me révolter, arrêter le mouvement incessant de la pensée, avec ses spéculations, ses suppositions, toutes opérations qui m'épuisent. En même temps, traquer l'intrus exige la mise en place rapide de stratégies et d'hypothèses, de ruses. Je procède par induction, de l'effet à la cause, de l'indice à son origine, du symptôme au diagnostic. Cela m'empêche d'être focalisé sur la nouvelle qu'ils doivent me donner, la mauvaise nouvelle, et sur les raisons de leur retard. Je vais continuer ma ronde. On ne pense pas quand on est mort. On ne voit pas quand on est mort. On ne parle pas quand on est mort. On ne bouge pas quand on est mort, on n'ouvre pas les yeux quand on est mort, on ne gémit pas quand on est mort, on ne revient pas quand on est mort, on est mort. Il n'y a rien à en dire d'autre. On ne sait pas comment remplir avec des mots, des sensations, des actions cet état-là qu'il est donc absolument impossible de décrire. Je vais continuer ma ronde. J'ai laissé le cagibi avec son carton éventré et les photos éparses. Je n'ai pas remis de l'ordre dans les rayonnages et les rangées. J'ai quitté précipitamment la pièce. Je ne crois pas que l'intrus ait colonisé cette zone obscure et basse de plafond. Je suis sûr qu'il est allé ailleurs, là où il peut s'étendre et s'épanouir sans rencontrer d'obstacles à son expansion. J'aurais dû scruter les éventuels indices de sa présence en pointant ma lampe dans les angles, mais j'ai préféré quitter le coin au plus vite. Je vais continuer ma ronde. Je monte à l'étage. Cette fois-ci, le crépuscule a pris de l'ampleur. Il s'est abattu sur la maison d'un coup. J'allume les plafonniers. Je ne suis pas dupe. J'ai commis des erreurs. J'ai quitté des pièces qui se referment derrière moi et m'interdisent tout retour en arrière. Avancer est devenu nécessaire. Je n'ai plus le choix de mes parcours. La maison rétrécit à mesure que je la scrute. En haut de l'escalier, j'aperçois, par la fente entre le plancher et la porte de l'une des chambres, une lumière.
D'après mes calculs, mes observations, cette lumière proviendrait d'un abat-jour posé sur une des deux tables de nuit de la chambre parentale. Comme son nom l'indique, c'est la chambre où dorment les parents. On peut l'appeler aussi conjugale, la chambre conjugale. Mais conjugale est un mot intrigant. Conjugale contient des mystères. Conjugal distille des suppositions. C'est pourquoi je l'emploie le moins souvent possible, même lorsque je suis seul. Au sein de la famille, on doit supposer le moins possible. C'est un espace, un lieu, un cadre qui fonctionne d'autant mieux qu'il reste clair, bordé de toutes parts par des mots, des gestes, des objectifs univoques. Prohiber les sous-entendus et les secrets dans l'espace de la famille permet à chacun de se détacher sur un fond uniforme, rassurant, plat. Il n'aurait pas dû me mentir. Il n'aurait pas dû me dire que tout irait bien. Cela entame ma confiance en eux et diminue mes forces. Je dois éliminer les zones d'ombre, les doubles fonds. Je dois continuer à veiller. Je dois aplatir le monde. Dès que le relief s'abîme, on est moins exposé aux mauvaises surprises. Dans un monde en deux dimensions, il est rare qu'un être, un objet ou un événement imprévu surgisse. Pourquoi la lampe de chevet est-elle allumée? Je m'approche sans bruit, le cœur battant. Je regarde par le trou de la serrure. Malheureusement, il ne permet pas d'embrasser la totalité de la chambre. Moins efficace que l'œilleton d'une cellule, il se borne à révéler l'espace situé au centre. Sur cette zone, rien à signaler. Il faudrait que j'entre par effraction, que je perquisitionne la pièce. Au lieu de ça, je m'écarte de la porte, m'en éloigne silencieusement. Je laisse l'idée d'un intrus installé dans la chambre parentale s'insinuer lentement en moi, je renonce à vérifier son inexistence. J'ai commencé à m'habituer à ma demeure, à relâcher ma vigilance. S'il n'était pas venu, il ne viendrait plus. J'ai commencé à sortir un peu plus, surtout dans la journée. D'abord 1 heure pour inspecter les lieux, puis 2 heures, puis l'après-midi entier. Les jours ont passé, la distance entre elle et moi s'est épaissie. En même temps, l'espace qui nous séparait était resté le même. Ça rendait mon départ difficile. J'ai calculé qu'en marchant régulièrement, en suivant exactement le chemin que j'avais pris à l'aller, je pouvais espérer la rejoindre en 6 jours. Mais il y avait déjà 11 jours que je l'avais quittée. Une patrouille l'aurait récupérée. J'ai dit à haute voix, je me fais des illusions, il n'y a pas de patrouille. Je m'en suis voulu de parler comme ça, de penser comme ça. En même temps, tout le monde fuyait. J'étais comme tout le monde. Le 13e jour, j'ai découvert un ruisseau dans un ancien verger. J'ai bu à la rivière, je me suis lavé. Il fallait reprendre la route, mais je n'y arrivais pas. Je n'arrivais plus à bouger. Une sorte d'engourdissement me gagnait. Je me croyais en sécurité. Ma mémoire commençait à se brouiller. Je me disais que c'était bon signe, que j'étais en train de l'abandonner. J'ai dit, je t'abandonne. J'ai dit, je ne peux pas faire autrement. J'ai dit, nous allions mourir toutes les deux. J'ai dit, c'était mieux que l'une des deux survive. Je me suis tue. J'étais épuisé. Parler exigeait un effort considérable. Plus d'effort que manger, se cacher, attendre, surveiller. La journée qui a suivi, je suis resté enfermé dans ma cachette. J'ai eu la fièvre. C'est pendant cette période que des images, des sensations, des rêves me sont parvenus. D'abord indistincts, puis plus limpides. Si limpides qu'ils en sont devenus douloureux. Au 15e jour, les images se sont précisées. Comme j'avais la fièvre, je n'ai pas réussi à les chasser. L'expérience dite de mort imminente, EMI, ou Near-Death Experience, désigne un ensemble de troubles consécutifs à la mort clinique ou à un coma avancé. Les patients qui reviennent ensuite parmi les vivants décrivent tous des images similaires. Ils voient un tunnel boyau étroit dans lequel leur silhouette s'introduit et marche. Ils aperçoivent au bout de ce tunnel une lumière. Dans cette ultime vision, ils sont réduits à l'état de silhouette, c'est-à-dire une forme noire, indifférenciée, une ombre. Ils sont longs et lisses. Ils se déplacent lentement comme des automates. Ils essayent de sortir, d'atteindre le point lumineux au bout du tunnel. S'ils l'atteignent, leur silhouette s'y engloutira, s'y dissoudra. Mais ceux qui sont revenus ne l'atteignent pas. Ils restent sur le seuil. Une force inconnue les empêche d'aller au-delà. Quand la sensation reflue, quand l'ouverture au fond s'éloigne,
s'éloignent, ils sont déçus. Ils ont peut-être tort. Si leur silhouette passait la porte et disparaissait dans l'éblouissant éclat, ils seraient morts. Le premier livre d'Olivia Rosenthal que j'ai lu s'appelait « On n'est pas là pour disparaître ». Ce qui se passait, c'était l'accompagnement, l'assomption d'une patiente Alzheimer. Il se trouve que je traverse la même chose, 10 ans d'intervalle, mais c'est jamais la même chose pour aucun de nous, c'est toujours une expérience à refaire. Ce livre-ci, « Mécanismes de survie en milieu hostile », vous arrivez à lire dans le miroir, date de 2014. Quelque part, j'ai jamais pu m'empêcher dans cette exploration intérieure d'une maison. Il y a aussi des images d'hôpital, toute une sorte de monologue en italique. Il y a une quête contre la peur, une quête à l'intérieur de soi, dans des labyrinthes, et ce qui vous poursuit ou vous menace, qu'est-ce que c'est ça? Ben, ça rien, c'est la condition ordinaire, c'est ce que travaille Kafka, même la peau des phrases aussi. Mais quand on est amoureux de littérature fantastique, on se retrouve chez nous. Mais c'est pas considéré comme littérature fantastique, c'est considéré comme littérature tout court. Et là, il y a peut-être un enjeu. C'est un livre qui m'a été suffisamment proche pour que récemment, Olivia Rosenthal nous a conviés à quelques-uns. Vous savez qu'elle est avec Lionel Ruffel et puis l'équipe où il y a Vincent Message, Vincent Broca et quelques autres. C'est eux l'équipe qui ont fondé le Master de création littéraire de Paris 8. Il se trouve qu'on travaille régulièrement ensemble, et là pour le mois de janvier on prépare un workshop en mêlant nos étudiants avec ceux aussi de Gilles Collard à Bruxelles sur précisément ça. Qu'est-ce que c'est la littérature quand on l'écrit pour être dite, quand on l'écrit pour que ce qu'on dit soit une adresse et qu'avec ces outils-là on puisse encore le démultiplier. D'où le fait que je sois revenu à ce livre, et que cette dimension fantastique même, je crois que je ne l'avais pas prise au premier degré. Et ça me pose sacrément question. On a une auteure contemporaine qui écrit un livre de littérature, on le considère comme ça, et on oublie de le prendre comme si c'était l'autre côté de Koubine, comme si c'était une expérience directe de la peur, du risque mental, de l'obscurité, à travers les ombres qui nous entourent, qui sont celles strictement du présent, du monde contemporain. Olivia Rosenthal, mécanisme de survie en milieu hostile. C'est en folio. La couverture est à chier, mais ça c'est Gallimard comme d'habitude. Et juste quelques petits bouts. Allez-y. Faites gaffe que si vous lisez ça au lit, vaut mieux aller faire pipi avant, sinon on est trop la trouille. La silhouette découragée s'est assise sur le lit. Elle s'allonge, ferme les yeux. Je reste à ses côtés, raide, gênée. Je ne comprends pas la place qu'elle occupe et celle qu'elle me fait occuper. Elle enlève son pull et son chemisier. Elle me montre ses plaies. J'éprouve de la surprise et du dégoût et de la frayeur et de la tristesse. Une irrépressible envie de quitter la chambre me prend. Je n'ai pas le courage de voir la silhouette atteinte par un mal qui vrille sa chair, l'exténue, la désolidarise, l'ouvre et l'infecte. Aujourd'hui encore, je fais refluer quand elles surgissent les pauvres images d'elle qui reste à moitié nue, en attente de mon intervention. Son corps est maigre, ses côtes saillantes, les vertèbres semblent sur le point de percer l'épiderme, pointues, dures, menaçantes. Il y a aussi les croûtes, les plaies, certaines cicatrisées, d'autres encore profondes, suintantes. Je recouvre l'image, j'en appelle d'autres susceptibles de me dégager de celles qui me hantent, des images extrêmes, violentes, sanglantes, morbides, sales. Qu'elles viennent, qu'elles engloutissent mes souvenirs, qu'elles investissent et déforment l'image résiduelle, récurrente, lancinante. Je ne veux plus avoir à l'esprit ce corps familier, proche, me montrant dans un dernier effort à les marques
de son combat inégal avec sa propre mélancolie. Si la silhouette avait parlé, si je lui avais laissé la parole, si je l'avais écoutée, elle aurait dit, elle aurait pu dire, elle a peut-être dit, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit, je ne sais pas si elle a dit, reste, je ne peux pas le faire toute seule, c'est dans mon dos, derrière, ça vient, quand je ne vois pas, ça me prend par surprise, dans le dos. En moi, mais invisible, les plaies s'ouvrent, elles grandissent, elles s'infectent, mais ça passe derrière, je ne vois rien, je ne peux pas agir, je ne peux pas soigner, je peux seulement en regardant dans la glace, en tournant la tête très fort, en faisant un terrible effort de torsion, je peux voir, c'est derrière, inatteignable, comme un autre corps, collé à mon corps, comme une ombre, comme un double, je suis habité, je suis plusieurs...